Une table ronde a été organisée vendredi à Rabat dans le cadre de la 25e édition du Forum Crans-Montana traitant du thème de la paix et du développement en Méditerranée, comment améliorer la coopération et construire un monde meilleur. Le partenariat ou la coopération ne peuvent exister que quand il y a la paix, quand il y a la sécurité et quand il y a une compréhension entre les peuples. Et cela aussi ne peut avoir lieu que par le dialogue. Donc, ce qu'on va essayer de discuter, c'est comment, par le dialogue, arriver à faciliter la coopération, l'association, le partenariat et aussi éviter les guerres, les prévenir. Cette séance, qu'on a, le thème était la paix et la prospérité en Méditerranée. Et le débat a été autour de toutes les questions relatives au rôle des différents mécanismes mis en place par aussi bien les Européens que les Méditerranéens, le sud de la Méditerranée, par rapport les 5 plus 5, l'Union pour la Méditerranée, la politique du bon voisinage, le dialogue de Barcelone. Donc il y a pas mal de mécanismes qui sont mis en place et il faut les activer. Il faut les activer en tenant en considération les défis. Il y a les défis de développement au sud de la Méditerranée et il faut aller dans beaucoup plus d'efforts en matière de transport maritime, en matière de transport routier, en matière de connectivité entre les différents pays. Les participants à cette table ronde ont été unanimes à souligner qu'il n'y a pas d'avenir en Méditerranée sans une coopération accrue, un dialogue ouvert et constant, une compréhension et un respect mutuel pour relever les défis futurs de la région sur tous les plans.